Fortnite ont sorti une nouvelle mise à jour. Vous ne rêvez pas les gars, ça fait 2 semaines que la nouvelle saison est sortie et Fortnite ont déjà sorti 2 nouvelles mises à jour les gars, c'était pas arrivé depuis 2018. La dernière fois ils nous ont rajouté quoi? Ils nous ont rajouté 2 armes mythiques et maintenant ils nous ont rajouté les gars un piège qui permettra de transformer ton mur en métal avec 2500 de vie. Je sais pas si vous imaginez le truc les gars, 2500 HP. On va le découvrir ensemble dans cette vidéo. En tout cas j'espère que vous allez bien parce que je vous ai pas posé la question. Moi ça va super, merci de vous inquiéter pour moi les gars. Bon, il est un peu 17h, je me suis levé à 16h, mais c'est pas le problème, ok? C'est pas le problème. Le problème d'aujourd'hui, ça va être de tester l'arme et de trouver des armes. Ce serait pas mal. Oh, une petite P90, il est où? Mais je l'ai entendu spawn ici, non? Et c'est magnifique mon stuff là par contre. Par contre, il y a une petite particularité, les gars, c'est que je ne sais pas du tout le piège il se trouve où. Je sais pas s'il se trouve dans les coffres, je sais pas s'il se trouve par terre. J'en ai aucune idée. Je l'ai déjà vu sur un mec, mais pas. Je l'ai jamais looté moi-même. Mais je pense que c'est comme tous les pièges, hein, que ça se trouve par terre, dans les coffres. Je sais pas, je l'ai pas encore vu. Pourtant, j'ai lancé des games. Hein. Il a l'air assez dur à trouver le piège. Ouah, qu'est-ce qu'il veut lui? Allez, dégage. Dégage avec ton arme bizarre, ton Dragunov. Par contre, il reste encore un autre mec ou il l'a tué? On va reprendre notre petite P90. Oh, encore un mec, mais c'est pas croyable. Mais il y a tout le monde qui me rush aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah viens frérot, avec plaisir, hein, mais bon. Tu vas mourir quoi, c'est pour toi moi que je dis ça. C'est pas pour moi, hein, moi je m'en fous. Hein. Je t'avais prévenu. Eh oui frérot. Mieux vaut prévenir que guérir. Eh ouais frérot, allez, au spawn. Je te l'avais dit, tu vois, tu m'as pas écouté, c'est ton choix. Je le respecte. Mais il faut en assumer les conséquences. Enfin, voilà. Ok, du coup, ça se trouve par terre, les gars. C'est ce que je pensais. Regardez comment c'est mis. Ouah, t'as 5 murs blindés dans un mur. Ok, on va essayer. Regardez, tu mets un mur. Ouais, bon, t'es pas obligé de le mettre en métal, je pense. Et tu peux mettre ton mur blindé. Par contre, ça veut dire qu'on peut s'enfermer juste avec des murs blindés, non? Attendez, on va essayer. Ah. Bah voilà les gars, s'il y a un mec qui veut me tuer, il devra enlever 2500 dégâts au mur. Je pense que ça va prendre minimum une 30aine de secondes. Je sais pas si vous imaginez, regardez. Regardez comment ça va être long. A few moments later. Voilà, bah j'ai cassé un mur. Et encore, hein, ça c'était à la pioche. À la pioche, ça va plutôt vite. Mais si vous tirez à la R ou à la P90 ou à la PM, ça va être super long. Je pense, les gars, je sais pas pourquoi. Je le sens qu'il y a des mecs qui vont se boxer avec ça. Ils vont s'enfermer, ils vont attendre toute la game. Déjà qu'il y a des mecs qui campaient dans les bush. Alors maintenant, ça va être 10 fois pire. Ça va être horrible. Après, heureusement, l'item il a pas l'air de se trouver partout. Je l'ai vu qu'une fois, les gars. C'est la première fois que je le vois, l'item là. Oh non, il a le Venom. Oh, ça va être compliqué de le tuer. En fait, quand il y a Venom, il faut foncer dedans. Ou directement lui foncer dessus. Allez, toi, tu dégages, frérot. Allez, tu dégages. Tu vas attraper qui, là, mec? Je peux savoir? Tu me touches pas. Eh, mais je me demande, les gars, si maintenant, il traverse le mur en métal. On va l'essayer, ok? Oh, ça, c'est une super question. Est-ce qu'il va traverser le mur en métal ou pas? On va tout casser, voilà. C'est plus simple. Il est où, l'autre? Oh, je suis un gamin, les gars. Oh, honnêtement, oh, je suis un gamin. Je suis désolé. Je suis désolé, les gars. Je me sentais obligé, tu vois. Oh, j'ai des murs en métal, ok. Non. Ah, le minimum, il fait 1500 dégâts, en fait. Oh, mais c'est trop bien. Ok, on a enfin trouvé, les gars, comment contrer le Venom. Bah, tu mets un mur en métal. Ok, tu mets un mur en métal, les gars. Le Venom, il pourra rien faire. En vrai, c'est bien, hein, c'est bien. Parce que s'il aurait one-shot le mur en métal, ce serait trop abusé, hein. Trop abusé, 2500 dégâts. Par contre, il y a un requin là, wesh. Attends, est-ce que je peux choper le requin ou pas? J'ai jamais. Oh, il y a un mec, ok. Et toi, viens ici, frérot. J'ai envie de l'enfermer avec un mur en métal. J'en ai que 3. Il en faut 5. J'ai envie de l'enfermer, les gars. Ah, mais je peux pas, j'en ai que 3. Et tu dégages. Ouf. Par contre, le requin, qu'est-ce qu'il fait? Ça l'attrape. D'ailleurs les gars, vous en pensez quoi mon combo de skin là? Le petit poisson vert avec du blanc. Bon, en vrai, il est moche. Non, il faut se le dire, je suis désolé. Je me persuadais qu'il était beau, tu vois, mais non. Mais non, il est horrible. Bon, j'ai rien du tout en fait, il est moche, tout simplement. D'ailleurs les gars, comme d'habitude, il y a une nouvelle mise à jour, il y a de nouveaux items. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ok? Je veux vos avis, histoire de savoir qui pense quoi. Moi là, je suis un peu mitigé. En fait, ça peut être fort, mais que pour les campeurs, tu vois. Je vois pas en quoi ça pourrait servir. À part peut-être quand t'as des Venom en face aussi, mais bon, c'est plus utile de quand t'as un Venom en face, tu vois. Et alors là, t'as un mec comme ça en face, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rester là. Il va mettre son truc. Tu vois, et je mets mon mur, et il pourra pas m'attraper. Du coup, moi, je fais quoi? Moi, je l'attrape, tu vois, et je lui mets une balle. Et il a un HP, je le fais quoi? Je le push, je le prends le mur, ok? Bon, il essaie de s'enfuir, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui remettre un petit coup, tu vois, hop là. T'as vu, t'as pas de mur en métal, frérot. Tu vois, ça t'apprendra. Il faut en avoir, frérot.
Il y a un mec là-bas, un petit campeur. Qu'est-ce qu'il fait par contre? Camper en bois, c'est pas une bonne idée ça frérot. Surtout contre un Venom, je le sens. Oh non, je t'ai pas touché, pourquoi tu te casses? Je peux savoir? Allez, tu dégages. Je savais qu'il était là. Enfin, il va me tirer dessus, c'est ça, évidemment. Allez, tu dégages. Oh non. Oh non. Toi, tu dégages, frérot. Tu sais quoi, on va faire ça. Ah, il veut me push, ok. Il veut me push, qu'on va faire, c'est ça. 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 Et on peut se heal. Oh, en fait, ça sert à ça. Imaginez, t'es low HP. Voilà, je peux me heal pendant 30 secondes. Là, je sais que je suis sur un regard. Je suis low HP, j'attends. Par contre, toi-même, tu dois tout casser si tu veux sortir après. Hein. Ça, c'est assez dérangeant. J'avais pas réfléchi à l'utilité, mais c'est incroyable. Non, non. Oh, j'ai un HP. Tu vois, là, si j'aurais encore les murs, ce serait incroyable. En fait, il y a souvent des moments où t'es low HP et t'as pas le temps de heal parce que le mec, il te met trop la pression. Tu vois, le mec, il est trop chaud. Justement, ça, ça va te sauver, tu vois. Oh non. Mais non, j'aurais pas dû laisser l'autre Venom. Ouais, il veut me focus en plus. Non, je suis mort de chute. J'en étais sûr, les gars. Tu vois, là, ça m'aurait sauvé. J'ai relancé le game, les gars, parce que je pouvais pas vous laisser sur un top 6. Du coup, on va faire une win sur cette game. Ça, je peux vous le promettre. Oh non, il a le Venom. Oh là là. Allez, tu te casses. Tu te casses, mon frérot. C'est pas parce que t'as Venom que tu vas me tuer. Ok. Par contre, on va le prendre, Venom. Hein. Il est trop fort. Par contre, il y a un petit problème. C'est que je n'ai... Non. C'est que je n'ai... Mais il a aussi Venom. Allez, tu te casses, frérot. Ah, il y a un mec là-bas. Allez, toi, viens, frérot. Vous allez voir, les gars. Quand je serai low HP, je vais m'enfermer avec les murs blindés. C'est trop cheaté, en fait. Tu peux te heal pendant 30 secondes. Quoi, je l'ai pas attrapé là. Je vais laisser mettre l'eau. Je vais laisser mettre l'eau comme ça, je vous montre. Allez, mets-moi l'eau, frérot. Mets-moi l'eau. Voilà, regardez. Voilà. Maintenant, je peux me heal. Vous avez compris le délire. Bon, maintenant, il faut pas que je meure. Hein. Allez, toi, viens ici, frérot. Toi, tu dégages. Est-ce qu'il y a un autre mec? Non, oui, je sais pas. Je pensais que j'allais mourir un coup de pluie. En fait, il faut les garder vraiment en situation extrême. Tu vois, quand t'as vraiment un HP et tu sais que le mec il va en découdre avec toi. Bon, lui, il avait pas l'air d'en vouloir en découdre, tu vois. Ah, c'est un mec ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont chiants, tu sais quoi. On va même pas se casser la tête. Viens ici, frérot. Ah, je t'ai même pas attrapé, super. Oh, il a un space, il faut que je fasse gaffe. J'aime pas parce que je vais trop vite avec ce truc. Allez, tu viens ici. Je vais trop vite avec ce truc en fait les gars. Non, il m'a mis l'eau. Allez, tu viens ici frérot. Allez, t'es mort mon ref. Hein. Allez, on part. Yes! Trop fort, merci pour ton petit space douce frérot. Il reste 3 mecs, 6 kills. Au moins on va faire top 1 sur cette game, c'est déjà ça. Il y a 2 mecs là-bas, on va aller s'occuper d'eux. Quoi, mais comment je l'attrape pas là en fait? Non, mon kill. Enfin, c'était pas mon kill, mais vas-y, j'allais le voler. Il est où? Frérot, arrête d'abuser aussi. Arrête d'abuser, on t'a vu. 1v1 situation, les gars, pour la 8 kills. Regardez, voilà, voilà, il est malin. Regardez, il a tout compris. Regardez, vous avez vu? Là, il est en train de se heal. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, rien. À part essayer de détruire son putain de mur qui a 2500 HP. Regardez, il a le temps de mettre 15 mini. Et oui, frérot, mettez 15 mini. Ouais, bah oui, bien sûr. Allez, hop là, tu meurs. Ah non, même pas. Allez, tu dégages. Mais vous avez vu, les gars, comment ça peut être fort pour ce heal? Après, lui, il était un peu nul, tu vois. Du coup, ça n'a pas fonctionné, mais vous avez compris le délire. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a quand même fait un top 1. C'est déjà ça. Si vous kiffez, pouce bleu, abonnement, co-créateur, comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.